Le Bénin se transforme et se révèle au monde. Depuis 2016, on note une progression dans tous les secteurs d'activité avec un taux de croissance économique qui s'améliore. En dépit d'un environnement international fortement marqué en 2022 par la crise russo-ukrainienne avec ses conséquences économiques, l'économie béninoise continue de créer de la richesse grâce à la bonne gestion des chocs traduite par la prise de mesures efficaces. Nous réussissons à pouvoir être résilients à ces différents chocs. Notre taux de croissance n'a pas chuté de façon drastique comme les autres pays de la sous-région. Nous sommes restés à un taux satisfaisant. Nous avons eu 6% l'année dernière. On estime qu'on aura 6,5% à la fin de cette année. Il y a deux ans, on était à 7%. Je crois qu'on arrive à bien maintenir le taux de croissance. Cette performance est remarquée dans tous les secteurs clés de l'activité économique béninoise. Pour preuve, de nombreux projets sont mis en œuvre par l'exécutif avec un climat des affaires favorable aux investisseurs. Le climat des affaires au Bénin se porte mieux au regard de l'attractivité de notre secteur privé, au regard de l'attractivité de notre pays pour ce qui concerne les investisseurs nationaux dans un premier temps et pour ce qui concerne les investisseurs étrangers dans un second temps. Chaque jour que Dieu fait, il y a plus d'engouement à créer d'entreprises au Bénin. Mais au-delà de ça, de plus en plus, nous enregistrons des demandes de pays de la sous-région, de pays étrangers qui demandent à venir en voyage d'études comparatives au Bénin parce que nous avons pu mettre en place telle réforme, nous avons pu mettre en place tel projet. Le climat des affaires, c'est un processus qui est en évolution. Notre rôle au niveau de l'APIEX, c'est de faire en sorte que le climat des affaires dans notre pays s'améliore pour permettre aux investisseurs de venir dans notre pays. Aussi bien des investissements qui viennent de l'extérieur que des investissements effectués par des Béninois eux-mêmes. Pour davantage améliorer le climat des affaires au Bénin, l'APIEX offre aux investisseurs un cadre propice au développement de leurs entreprises. Le premier dispositif, c'est la zone économique spéciale de Glodjibé. Nous avons fait en sorte que, au sein de cette zone, nous puissions accueillir des investisseurs en mettant à leur disposition l'ensemble des infrastructures et également l'ensemble des règlements, l'ensemble des dispositifs réglementaires. Dans ce dispositif-là, il y a à peu près deux régimes. Un régime où je suis là et j'exporte. Dans ces conditions, vous ne payez aucune taxe, aucun impôt. Deuxième dispositif, c'est le dispositif des échanges intracommunautaires. Je suis dans cette zone, je n'ai pas beaucoup de taxes à payer. Je produis dans la zone, si je vends sur le territoire douanier national, j'ai un certain nombre de taxes à payer, mais qui sont beaucoup plus faibles que lorsque je ne suis pas dans la zone. Le deuxième dispositif que nous mettons en avant, c'est le dispositif lié au code des investissements. Globalement, avec le code des investissements, vous avez deux avantages spécifiques. L'exonération des droits de douane sur tous les équipements que vous importez pour transformer au Bénin et également l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller entre 7 ans et 12 ans. Parce que notre ambition, c'est de faire en sorte qu'au Bénin, on transforme. Vous savez, le cœur du développement de notre pays, c'est de passer d'un état où nous sommes des commerçants, à un état où nous transformons. Il faut que nous captions toute la chaîne de valeur. Troisième dispositif, c'est un dispositif permis par la loi de finances. L'article 12 de la loi de finances permet à toute personne qui investit dans notre pays pour faire de la petite transformation, de bénéficier également d'un avantage qui est tout simplement tout ce que vous importez pour faire ici au Bénin exonéré de droits de douane. Et ça, c'est très facile. Grâce à toutes ces facilités, l'APIEX a enregistré près de 165 000 entreprises créées depuis le 20 février 2020, date de lancement de la digitalisation des procédures de formalisation, ce qui contribue à la création d'emplois au Bénin. En faisant venir des investisseurs, en suscitant chez les Béninois l'envie d'investir dans leur pays, nous mettons en place les conditions pour un développement de l'emploi.
Tout ce que nous faisons, c'est pour développer l'emploi dans notre pays. La création de la zone économique spéciale de Glodjigbé, un projet cher au gouvernement, en est une illustration. Fleuron de l'économie nationale, ce vaste chantier de 1640 hectares, situé à 45 km de Cotonou, amorce la révolution industrielle du Bénin. C'est une plateforme qui offre des opportunités d'investissement, de création de richesses et d'emplois. Après 22 mois d'exploitation, le bilan est élogieux. Et après avoir développé la première phase de 400 hectares, nous avons signé avec 36 investisseurs et nous avons aujourd'hui quelques investisseurs qui sont en production, notamment les unités de transformation de noix de cajou. Nous avons 5 unités de transformation de noix de cajou qui sont pratiquement achevées, dont 2 sont opérationnelles et qui transforment à peu près 15 à 20 000 tonnes par an. Et qui emploie à peu près 700 personnes. Nous avons également les unités de confection de vêtements qui sont opérationnelles et qui produisent à peu près 4 millions de pièces de vêtements par an et qui emploient 1000 personnes. Nous avons également une unité de fabrication d'emballage. Et donc aujourd'hui, dans cette zone, nous avons eu beaucoup de changements. En ce qui concerne par exemple les matières premières qui sont transformées dans la zone, nous avons 2 unités de transformation de soja, dont une unité de transformation de soja organique qui transforme à peu près 60 000 tonnes par an, et une unité de transformation de soja conventionnelle qui fait à peu près 250 000 tonnes par an. À ce jour, nous avons à peu près 7500 emplois dans cette zone, et avant la fin de l'année, nous serons à peu près à 25 000, parce que nous aurons 2 unités d'intégrées de textile qui seront opérationnelles, et une troisième unité qui sera opérationnelle au premier trimestre 2024. Nous espérons créer dans cette zone, sur les 7 prochaines années, à peu près 300 000 emplois directs, 700 000 emplois indirects. Nous allons changer fondamentalement l'économie de notre pays. Nous aurons une économie qui sera désormais basée sur la transformation de nos ressources agricoles et minières, et nous n'aurons plus une économie qui est basée sur le commerce. Le vœu de l'industrialisation du Bénin est passé en si peu de temps du rêve à la réalité. Et dans ce processus, le ministère de l'Économie et des Finances se positionne comme la porte d'entrée du secteur privé au Bénin. Bon, il faut dire que le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, est le superviseur national du climat des affaires. Donc les actions que nous menons ne sont pas simplement encadrés au sein du ministère de l'Économie et des Finances, mais ça couvre plusieurs portefeuilles. Donc le ministre des Finances oriente et assiste ses autres collègues pour que des pans d'éléments pouvant améliorer le climat des affaires qui sont dans leur portefeuille puissent être améliorés. Nous sommes dans un processus continu. Les réformes que nous avons mises en place, nous travaillons au quotidien à les consolider. Des réformes implémentées par les directions sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances qui améliorent les performances économiques et facilitent l'accès des services aux usagers. À la Direction générale du budget, acteur clé de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie des finances publiques, l'un des chantiers a été de faire émerger un cadre institutionnel qui permette de faire efficacement face aux défis liés à la gestion des finances publiques. Pour y arriver, il était question pour nous également de mettre en place un système de management qualité basé sur l'efficacité mais également la transparence. Nous avons travaillé à mettre en place maintenant des services en ligne. Le premier service concerne la domiciliation irrévocable bancaire des salaires. Le deuxième concerne le bulletin de visite médicale. C'est un paquet de services que l'exécutif offre aux fonctionnaires en activité comme à la retraite ou à l'œil en droit, qui leur permettent de bénéficier des soins subventionnés au niveau des hôpitaux publics. Le troisième service concerne le suivi des dossiers. Il est question pour nous d'avoir un système de tracking des courriers qui nous parviennent afin de les identifier dans la chaîne de traitement et de renseigner plus facilement ou de permettre à nos usagers où ils se trouvent également de se renseigner facilement sur le niveau de prise en charge. Il y a également un autre e-service qui concerne
le relevé des pensions et de la sorte, et un cinquième service qui concerne la demande de capital décès que la DGBA a mis à la disposition des ayants droit. Donc ça élimine du coup ou réduit les tracasseries, élimine les déplacements, ce qui induit forcément des gains en termes de coûts financiers pour les fonctionnaires, mais également à tous nos usagers clients. Pour les usagers qui n'ont pas la possibilité de remplir les formalités en ligne, la Direction générale du budget a mis en place un guichet unique de dépôt et de renseignement qui offre de nombreux services. Je suis à la retraite maintenant. Vous savez, la retraite, c'est le troisième âge. Je suis venu chercher ma prise en charge pour aller faire mon bilan. Je suis très satisfait de prestations. Nous ne sommes pas négligés et le service est très rapide. Donc, je ne peux que remercier les autorités. L'autre pan de réforme est relatif à la transparence dans la gouvernance financière. Le Bénin, dans ce cadre, a mis en place une plateforme baptisée le Boost Pro. C'est un outil accessible également sur les téléphones portables et qui permet aujourd'hui à tout citoyen béninois ou à tout partenaire, à n'importe qui, de suivre le calendrier de préparation du budget de l'État, de participer également aux sections d'échange technique ou d'échange budgétaire avec les ministères ou autres organismes publics. Des initiatives qui rassurent sur la gouvernance financière dans laquelle s'implique aussi la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La direction a déployé un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 version 2015 qui prioritairement est axé sur la dématérialisation des moyens d'accès aux services financiers et non financiers fournis. Au nom des réformes menées, le paiement des recettes non fiscales de l'État au guichet du Trésor et en ligne via les réseaux GSM. Ça consiste en fait à faciliter la tâche au client, à lui permettre d'obtenir sa quittance directement chez lui, sans avoir à passer dans un guichet du Trésor. L'État y gagne beaucoup. Déjà en premier, ça permet à l'administration de suivre tous les encaissements de recettes. Ça limite les fuites de recettes. Les comptes des correspondants, c'est des comptes tenus par le Trésor public et dont les titulaires sont des structures publiques à qui la loi fait obligation de déposer leurs fonds au Trésor public. La mise en œuvre de cette réforme se justifie essentiellement par trois raisons. La première, c'est de rapprocher nos services des clients. La deuxième raison, c'est de réduire les délais de traitement de nos opérations. La troisième raison, c'est de pouvoir digitaliser les paiements et éliminer autant que possible l'espèce dans les transactions avec le Trésor public. L'une des réformes portées aussi par la Direction du Trésor, c'est la dématérialisation des bulletins de pension à travers le site web du Trésor. Un pensionné qui avait en temps besoin d'un duplicata doit se déplacer dans les locaux du Trésor. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de venir. Il peut imprimer son bulletin de pension à tout moment, en tout lieu, pourvu qu'il ait l'Internet. Et il peut également aller faire ses formalités au niveau des institutions financières avec ses bulletins de pension sans que ces bulletins ne soient mis en doute. Alors qu'avant, ils avaient la possibilité de falsifier pour avoir de gros montants de prêts. L'État gagne énormément parce qu'on n'investit plus dans l'acquisition des imprimantes matricielles ni dans les prêts imprimés et consommables. Le personnel qui était mobilisé entre-temps pour imprimer les bulletins, ce personnel est dédié à autre chose. Le cas du bulletin de pension, vraiment, j'en avais besoin. C'est depuis quelque temps, je voulais faire une opération à la banque et ça faisait partie de la pièce. Je suis allé sur Google, j'ai tapé fiche de pension et j'ai constaté que c'est dématérialisé. J'ai tapé, j'ai accédé vraiment à toutes mes fiches de pension. Mais j'étais ravi. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, lorsque nous émettons des chèques
nous trouvons une facilité parce que nous ne sommes plus obligés au niveau de l'administration de nous déplacer vers le trésor. Tout se fait via la base. Les fournisseurs n'ont pas besoin d'être en contact nécessairement avec les acteurs du trésor, ce qui réduit le risque de corruption. Depuis quelques années, un programme ambitieux de réforme est mis en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon pour moderniser l'administration douanière et la hisser parmi les régies financières les plus performantes de la sous-région. Ces deux dernières années ont été marquées par une accélération de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la fraude et la promotion de la facilitation des services aux usagers. La première mesure, c'est la réforme institutionnelle qui a été mise en œuvre sous l'égide du ministre d'État, Romuald Wadai. Donc, dans le cadre de la réforme institutionnelle, une direction des opérations a été créée et comprend deux bureaux. Donc, le premier bureau qui assure la qualité de la gestion des opérations de recette et le second bureau qui coordonne les actions de surveillance du territoire douanier. Nous avons créé un bureau de statistiques de la comptabilité en charge de la centralisation des recettes. Là, c'est pour renforcer le dispositif de reddition de comptes sur les recettes et pour aussi faire un meilleur recouvrement de la dette douanière. Nous avons aussi démarré la digitalisation des demandes d'exonération. La troisième catégorie de réforme, c'est le système de gestion des opérations de la douane. Et ce système connaît une amélioration continue. Nous avons la mise en service du GUS et aussi la mise en ligne de Sidonia Award sur le plan de la gestion du personnel. Un accent est mis sur la compétence aujourd'hui et nous avons adopté une politique en ce qui concerne la gestion du personnel. La mise en œuvre efficace de ces réformes a permis à l'administration des douanes béninoises d'améliorer au cours de ces deux dernières années ses performances. Si je considère les prévisions de recettes que nous avions pour 2022, il était prévu un montant de 539 milliards de francs CFA. Et à l'arrivée, nous avons pu mobiliser 548 milliards de francs CFA. Donc, ce qui fait un taux de réalisation de 102%. Donc, c'est quand même des résultats encourageants qui montrent que l'équipe suit les consignes du gouvernement et que les équipes se mobilisent. Il y a eu beaucoup de saisies de produits prohibés au cours de l'année 2022. Nous avons saisi près de 30 000 kg de produits pharmaceutiques. Près de 5 000 kg de chanvre indien, nous avons saisi environ 60 000 kg d'intrants agricoles. Un autre défi qu'on a pu relever, c'est l'organisation du concours de recrutement au niveau de la douane. En 2023, nous avons pu boucler ce processus-là. C'était un véritable défi. Je peux dire que si ce concours a été un succès, c'est grâce au ministre d'État, Romuald Wadai, qui nous a donné des orientations claires sur ce que nous devons faire et qui nous a également soutenu, donné tout son appui pour que nous puissions faire ce concours-là de façon professionnelle. L'autre secteur qui contribue à la dynamisation de l'économie, c'est celui des impôts. Dans le but de faire de la fiscalité un outil d'impulsion économique, comme l'indique le pilier 2 du programme d'action du gouvernement, des réformes sont intervenues aussi à la Direction générale des impôts, ce qui a permis de booster les performances. Lorsque je prends l'année 2020, nous étions à une mobilisation de recettes totales de 620 milliards, plus précisément 620,40 milliards de francs CFA. Et en 2022, nous sommes passés à 840 milliards, à un peu plus de 840 milliards, soit un taux d'accroissement de 16,40% contre 9,9% à peu près sur la période de 2018 à 2020. Lorsqu'on compare tout ceci aux prévisions de recettes budgétaires, on peut noter que la Direction générale des impôts a pratiquement obtenu le double des recettes fiscales sur la période précédente, l'année 2018.
Donc, entre 2018 et 2022, nous avons multiplié les recettes par deux. L'adoption du nouveau Code général des impôts, entré en vigueur le 1er janvier 2022, constitue une énorme avancée dans le secteur de la fiscalité. Le nouveau Code général des impôts ne comporte plus les incohérences de règles d'imposition qui étaient une source d'évasion et d'optimisation sauvage. Le nouveau Code général des impôts renforce les acquis du gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le nouveau Code général des impôts sécurise au mieux les ressources de l'État tout en respectant les droits des contribuables conformément aux exigences de l'État de droit. Après une procédure de passation des marchés publics, le cabinet ICA Conseil a été choisi pour concevoir, développer et mettre en position le nouveau système avec un portail qui permet aux contribuables de télédéclarer, de payer leurs impôts et un système de gestion en interne que nous nommons CJB. La première fonctionnalité est l'immatriculation des personnes physiques. Il y a une nouveauté par rapport à l'ancien système. Ce système vient moderniser les relations administration-contribuable. Ce système est un véritable outil de pilotage parce que nous avons la possibilité d'avoir les statistiques et les tableaux de bord. Et pour faciliter l'accès à ces services, la Direction générale des impôts s'est dotée d'un call center et a aménagé les principaux points d'accès à ces locaux. En appelant ce centre d'appel, l'usager peut demander une information. Il peut demander conseil et assistance pour remplir ses formalités administratives. Il peut communiquer une plainte ou une suggestion à l'endroit de l'administration fiscale. La personne physique a oublié son numéro EFU peut l'avoir sans parler à un téléconseiller. Donc le centre d'appel, c'est un outil de communication, un outil de transparence et de lutte contre la corruption. Outre le centre d'appel, la Direction générale des impôts a décidé d'offrir un meilleur accueil à ses usagers. Cet environnement permettra à ces usagers de remplir leurs formalités, leurs obligations fiscales dans un environnement moderne et convivial. Il y a quelques années de cela en arrière, c'est pas sûr que j'allais me rendre disponible pour l'échange qu'on est en train d'avoir. En avril, comme ça déjà, c'est déjà le stress. Si vous faites un tour au niveau de l'administration fiscale à partir de cette période-là, vous allez voir une longue queue pour le simple dépôt des états financiers. Aujourd'hui, avec un seul clic par e-bilan, on dépose déjà nos états financiers. Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous au bureau. Vous pouvez rester chez vous à la maison. Vous pouvez même être à l'extérieur, vous pouvez préparer vos déclarations fiscales. Vous pouvez procéder au paiement de vos impôts. La DGI a aussi mis en place une fonction audit et a créé une direction chargée de la qualité et des risques. Quand nous prenons le volet gestion des risques, et chaque acteur sait concrètement quels sont les risques qui sont associés aux activités quotidiennement réalisées, également les comportements, les bonnes pratiques à avoir, les mesures de mitigation à mettre et en œuvre pour ramener ces risques à un degré plus acceptable pour l'administration fiscale. Maintenant, du point de vue qualité et système de management de la qualité, nous sommes au service du peuple. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en place un système qui est tel que nous aurons la chance de nous mirer à travers ce que nous faisons, voir si nos services satisfont les contribuables, les usagers et
de la DGI. La digitalisation et la dématérialisation des procédures s'imposent désormais dans toute l'administration béninoise. Pour innover un peu plus chaque jour et faciliter la vie aux usagers du service public, le ministère de l'Économie et des Finances et les structures sous tutelle s'appuient sur la direction des systèmes d'information. Le fait qu'il y ait de la dématérialisation, ça accroît fondamentalement la recette. Et ça permet d'élargir finalement des assiettes. Nous avons par exemple une application e-notaire. C'est une application qui est très importante, qui a été mise en place finalement pour permettre qu'on puisse faire des mutations, vendre de titres de façon très facile. C'est quelque chose qui est de nature à améliorer le climat des affaires. C'est une application qui est mise à la disposition des notaires, mais c'est une application finalement qui permet de rendre un service important aux citoyens. Le système d'encadrement des missions officielles, le CEMO, c'est une application qui a été mise en place à l'initiative de la Direction nationale du contrôle financier. C'est une application importante parce qu'elle a permis à l'État de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies. Ça a fait du bien aux finances publiques parce qu'elle a permis de rationaliser les missions de l'État. Je pourrais également vous citer une application qui embrasse l'ensemble de l'administration publique actuellement, qui est le SICOREF, le système de costing par le référentiel. C'est un système qui a été mis en place pour permettre la préparation budgétaire. Deux années de mise en œuvre du PAG2. Deux années au service des Béninois et de l'amélioration du taux de croissance économique à travers l'exécution de plusieurs réformes. Ce qui place le Bénin dans le groupe des pays qui présentent l'une des croissances économiques les plus fortes au sein de la zone UEMOA. Aujourd'hui, les qualités et performances du Bénin sont reconnues par les institutions de Bretton Woods et les agences de notation financière. Les réformes mises en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon font du pays un véritable pôle économique, une nation crédible et ouverte à l'investissement.